Et bonsoir tout le monde, comment ça va? On se retrouve pour un nouveau petit live chill, très très chill. Voilà, on va faire du RP ce soir comme d'hab. Juste avant, bien sûr, comme j'ai fait vite fait. Il faut juste que je vous mette sur la bonne interface, qu'on ne se gourre pas. Bureau. Voilà, on fait vite fait mon petit planning de la semaine. Donc demain on se fait 13h. 13h, 16h. 13h, 16h, hop. 2 points. Red Dead. Red Dead, hashtag 2. Hashtag 2. Ouais, pour éviter, régler ça. Je suis trop gros. Tac, voilà, on fait vite fait le petit planning, comme ça vous savez à peu près à combien, comment ça sera. Hop. Parfait. Et le soir, on se fait. Hop. 21h. Allez, grand max, 23h30, mais on pourra aller un peu plus loin. RP. Tac. Pareil, vendredi, du coup, on se fait 13h, 16h. Non, 13h. 18h, Red Dead, Red Dead, hashtag 3, hashtag 3, et ensuite on fera, et on finira, donc plus, RP, hop, donc ça c'est pour le soir, c'est pour l'après-midi, soirée off après. Donc tac, comme ça ça compense le soir pour le soir. Ensuite le samedi, je ferai que le soir, donc 21h minuit grand maximum, hop, minuit RP plus je autre. On va faire du RPG samedi. Et dimanche, on se met en off. Ou alors on fera un tout petit live le soir. On va faire 21h. 22h30. Discu. Plus je chill. Voilà. On va faire... Putain, le chat qui vient de me faire tomber ça. Hop là. Voilà le coupable. Du coup on va faire ça comme ça. Je vais mettre tout en ligne, donc chaque semaine il y aura un petit truc qui sera en ligne. Tac, parfait. Je vais juste mettre mon mon logo. Putain de chat la con. Hop, voilà, ouais. Alors est-ce que j'ai mon pseudo? Est-ce que j'ai mon truc quelque part là dedans? Il a bougé le truc. Je suis pas comestible le chat, je le sais très bien. Document, est-ce que j'ai mon logo quelque part? J'ai perdu mon logo. Clairement. Bon, c'est pas grave. Donc du coup, hop. Ça c'est bon. Je vais l'exporter. Enregistrer. Sous. On va le mettre en tant que PNG. Hop. Et normalement on devrait être bon. Ok, on va le mettre sur Discord. Ok, non. Hop, on a le truc, c'est parfait.
Enregistré. J'espère que je pourrais le mettre sur. Je vais le mettre en JPEG normal. Ah putain, c'est pas. Je l'ai pas exporté en bon truc. Tac, enregistré sous. Tac, voilà, enregistré sous. On va le mettre en format JPEG. JPEG normal. Enregistré. Techniquement, on est bon. S'il veut bien s'enregistrer. Tac. Et merci au fait à Sadwaz d'avoir follow la chaîne. Merci à toi. Je sais pas si je pourrais remettre l'alerte, mais je pense pas. Tac, je vais mettre l'annonce. Hello tout le monde. Hello. Virgule, voici. Le planning. Le planning des streams pour cette fin de semaine. Tac. Oh là 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 là, le chat couché. Pour cette fin de semaine. De points. Tac, tac. Du coup, c'est dans refonte stream. Ouvrir les streaming. Oh, le fichier, il est volumineux. Merde. Pourquoi t'es volumineux, toi? Enregistré sous. JPEG, mais il est volumineux apparemment. Enregistré. Allez, 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 allez. Tac. Salut, salut, comment tu vas, monsieur Spectrol? Je suis en train de finir le planning de la semaine en stream. Et après on pourra partir en RP. J'attends juste que là ça se termine de se télécharger. Et après on part en RP. Il y a du monde au moins sur Annecy. Ah, ça a l'air de se. Set, ok, j'arrive. Tac, ça va être fini de se télécharger. Pour cette fin de semaine. Tac. J'attends que ça se finisse. J'espère que c'est pas trop volumineux, sinon je le ferai après, c'est pas grave. J'arrive en ville après. Le commissaire reprend des forces. Hop, c'est bon. Alors, normalement, on est en format JPEG et on l'a en format normal. PNJ. Eh bah ben voilà, celui-là il marche par contre. Une plaidée. Parfait. Allez. Oh, on RP, c'est bon. Tac. Non. Ça part en RP, c'est bon. Tac. Hop. Pourquoi ça a mis de merde? C'est quoi cette merde? C'est bon, je veux dire, c'est quoi cette merde? Tac. Failli même se start. Clac, clac, clac. On va remettre cette pièce jointe. Benji. Tac. Ça se recharge. Hop. Et on est parti pour le RP. Tac.
Tac. Tac. On espère que ça fonctionne. Hop là. Tac. Nouveau truc à la caserne de pompiers. Ouais, j'y passerai, t'inquiète. Je vais y passer dans la soirée, j'essaierai de passer. T'as déjà quand je te donnerai un gun, tu feras deux braquages de super-est. Enfin, tu devras faire deux braquages de super-est. Tac. On va se mettre sur la radio. Yes, c'est génial d'être invisible. Alors, hop. Et bonsoir à tous. Bonsoir, commissaire. Comment ça va? Bien et vous? Il y a Maria qui vous dit bonjour. Très bien, dites-lui que j'enlève le permis dans quelques instants, j'arrive. Reçu. Hop. Player. Tac, tac, save. On va essayer d'être bien dans ses baskets. Hop. Y'a quoi comme véhicule de sortie? La Mégane. Ok, c'est bien pris. Allez, on va sortir mon petit véhicule de tous les jours. Putain. On va pas partir avec le 4x4 ce soir, on va partir avec le véhicule. On va partir avec le talisman. Y a d'autres policiers en ville ou pas? Je sais pas. Ok, parce que sinon à ce moment-là, vous revenez au commissariat, on va faire des descentes ce soir. Oh, cool. Moi aussi, je vais arriver. Ouais, mais il faut qu'on soit plus de peine. Ah, je me doute, je me doute. On va pas faire une descente si on est que deux. Hein. Ça, non, non. Tac, voilà, alors. Ceci. Sinon, vous, comment vous allez, les enfants? Tac. Attends, je vais essayer de faire un truc bien. En fait, j'ai mon OBS depuis tout à l'heure qui me pète les couilles. Ça, c'est quelque chose que vous savez pas souvent, mais il me pète les couilles en ce moment, OBS. Hop. Début de patrouille pour le commissaire 87. Reçu. Ah bah non, peut-être. On va peut-être pas partir tout de suite du coup, si on fait les trucs, je vais sortir les véhicules. Prise de service du coup, PDS. PDS à 20h43. Hop. Je vais sortir mes véhicules. Ce sera peut-être mieux. En cours, on va le laisser sortir, juste sortir ses véhicules. Non, moi qui ai vraiment trop de peine à ce moment-là de sortir aussi le blindé, mais pour faire les descentes, on va juste sortir le raid. Hop, ça sera. Et nous, c'est le Volkswagen Touren. Je vais mettre une annonce aussi sur l'intranet PN. Il n'y a pas annonce. Procédure code pénal, putain, mais il n'y a plus annonce ou quoi là-dedans? Eh, je suis paumé moi là-dedans dans le. Je croyais qu'on avait un salon qui s'appelait annonce. Dérogation. Annonce. @police.
ce soir. Descente du raid dans les différents points de drogue et traitement de la ville. Soyez présents cordialement, commissaire Madgaret. C'est pas facile d'écrire avec un chat qui est juste au-dessus du commissaire Madgaret. Voilà. Voilà, j'ai fait une faute à ce soir. Ouf. Hop. Moi, je resterai en retrait comme ça. Vous verrez pas vraiment où sont les trucs. Donc, début de patrouille pour ma part. Reçu. Je viens de sortir tous les véhicules. Reçu. Là, je suis à l'hôpital, je suis en train de me faire masser. Comment ça? Vu que tout à l'heure, elle s'est pris interplace en train, elle m'a débrouillé l'épaule, elle a pas mis de pommade. Ouais, ok, ça va, ça s'est massé au calme? Bah, tranquille, en plus, elle m'a demandé d'enlever le haut, maintenant, elle va me demander d'enlever le bas. Ok, j'arrive. Voilà. Et t'es de garde là? Bah oui. D'accord, ça va chier pour ta gueule. Oh ouais. Bonjour, c'est BFM TV. Bonjour, j'ai un filmé la scène. Si tu baisses le bas, j'ai un filmé. Oh le paparazzi, oh le paparazzi. Hop, ça va faire le buzz. C'est purement professionnel. Maria et Dom Toretto ensemble. T'en veux maintenant? Attends, bouge pas, je prends en photo cette nouvelle. Petite déclaration, Maria? Ta gueule. T'es sûr? Oui. Breaking news. En tout cas, commissaire Almas vient. Ouais, enfin, tu prends un peu trop la confiance. Et toi, d'où t'es kiné? Tu prends un peu trop la confiance, mon petit gars. Mais non, mais non. Tu vas te voir un coup de poil dans la gueule dans un moment. Pardon? Tu veux frapper un de mes agents? Mais il cherche aussi. C'est déjà fait. C'est même pas vrai. Maria Horace. Quoi? Non! 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 Regarde-la comme un cours. Comme un petit lapin. Vous allez la rendre débile. Ah, dommage, j'ai oublié le fusil pour le gibier, mais. Ah, c'est du gros calibre là, par contre, pour. Là, ouais. Pour la mocher. Hein. Bah, moi je l'ai, un gros calibre. Ah, j'ai peur d'autre chose. Ah bah je le savais, Ah bah attends. Hein. Et quoi, pour du gros gibier, il faut du gros calibre. Dis-toi ce que je suis grosse. Mais non, j'ai pas dit ça. Ouais, c'était à sous-entendu comme quoi j'étais grosse. Non. Non. On se permettrait pas. Non. Quand même, attends. On est plus grand que ça quand même. Bah avec la taille. T'as changé de ceinture? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans ma ceinture? Ah, je sais pas. Non, bah non. Non, non, je me permettrai pas d'homme. Parce que ça te met assis, c'est ça? Bah non. Mais j'ai l'impression qu'il y a un trou en plus maintenant. Vous me pétez les camarades. Attends, t'en as? Bouge pas. Oh! Elle en a. C'est pas Maria, mais c'est Mario qu'on va l'appeler. Aïe! Aïe! Aïe, oh, ça fait mal. Ah, c'est ça fait mal. C'était pas obligatoire. Hein. Oh l'autre, ça va la skieuse alpin là?
Ah, c'est pas conduire, c'est peut-être skier. Ah, mais c'est pour ça, j'ai compris les lunettes en fait. Tu sais pas conduire parce que t'es aveugle. Ok, je comprends mieux. Ouf, Aïe, ouf, ah. aïe, aïe. Oh la vache, la trace de sang sur le véhicule. Oh, ça fait mal. Ah. Tu vois une trace de Aïe. sang, toi? Oh. C'est pas une trace de sang? Oh, bah si, si, y en a une grosse. C'est pas pour te voir, quoi? Ah. Ouah. Là, Ouf. par contre, Ah. c'est pourri. Mais il se passe quoi là? Aïe. Ah. Aïe. Ouah, ouah, ouah. Oh, Pourquoi je suis menotté? mais. Mais pourquoi tu me notes? Pourquoi C'est tu quoi le me. délire? Pourquoi tu me notes? J'ai rien fait! J'ai J'ai rien rien fait. fait! Moi, j'ai pas le droit de toute façon. Pourquoi je suis menotté? Bah, j'ai pas de. Ouais, normalement c'est bon. Ouais. What? C'était quoi le délire? Bah, je sais pas. Wouah! Ok, bah moi je me casse ici, hein. Bonsoir. Hein. Dom, c'est pas que tu vas écraser. Dom, attention, c'est pas te faire écraser. 87, reprise de patrouille. Wouah! Facile. Eh, casse-toi de là, elle est chelou, Mario, hein. Demande-lui si elle veut faire du kart. Du kart? Ah ouais, parce que Mario Kart, mais bon, après. Je sens qu'elle va m'appeler dans quelques secondes. Commissaire veut vous mettre un coup de poêle. Ouais, qu'elle me fasse des crêpes au lieu de faire des poêles. Et toi, bosse un petit peu au lieu de rester à l'hôpital là. Ouais, j'y vais, j'y vais. Ta prime elle va sauter, hein. Mais c'est moi qui vais te la faire sauter, ta prime. J'y vais, je pars en patrouille. Merci. Si tu voulais discuter, c'est hors ville. Enfin, je sais pas, c'est 39, civil. Reprise de patrouille. Voilà. On commence à y être, c'est bien. Ah là 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 là. Putain, je reviens pas que Maria, en finale, c'est Mario, quoi. Ah, il faut tout pour faire un monde. Je me disais bien que niveau conduite ça pouvait que être Mario. C'est vrai qu'à ce niveau-là. En fait, je comprends quand elle se prend des poteaux, c'est qu'elle se prend des peaux de banane. Je suis pas du Bien tout dans le grave. temps. On est plus que grave là, non? Ouais, c'est sûr. Ding 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 ding. J'ai pris une étoile. J'en peux plus. Je me fatigue. J'ai perdu la game. Ah, le commissaire est dead. Et ouais. En plus, on dirait une voiture où j'ai une carapace. On dirait une carapace plutôt qu'une voiture. Oh là là. Ouais. Three, two, one, go. Ding, ding, gling. Il manque plus que Louis Jet et on est bien. Hein. C'est
ça. Ah bah le Winjet c'est le point S. Ah oh, j'avoue. Je vois bien le maire en pitch. Ah ouais, je vois bien le maire en pitch. Qui c'est qu'il y a d'autre après? Rosaire. Wario, je vois bien le colonel des pompiers en Wario. Ah ouais. Tu mets Dean Martin en Yoshi. Ah, le seul un truc qu'on aura, c'est Zoom Mawel. On le met en quoi, lui? Oh, ça sera un nouveau personnage. Zuma! Zuma Kart! Ça devient grave. On va se refaire une peine. Hein. Ça va plus s'appeler la police nationale, ça va s'appeler la police karting. Tan 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 tan. J'ai chopé une banane. Tan tan tan. J'allais proposer mon concept à Maria. J'ai chopé des carapaces, moi. Maria ? Oui ? On a un nouveau concept. Oui. Toi en Mario. Ensuite, on a le maire, monsieur Julien Nizan. On le met en Princesse Peach. Pourquoi Princesse Peach ? Bon, parce que je le vois bien en Princesse Peach. Ensuite, Sienna, on la met en Louis-Jet. Ok. Louis-Jet, c'est la copine de Luigi. Ensuite, on a vu en Wario, on a vu Sébastien. Mais non, il est gentil comme tout, lui. Yoshi, on a vu Dean Martin. D'accord. Ça te dit quoi? Et c'est toi le personnage principal, Mario? Non, mais je sais pas, c'est quoi là-dedans? Hein? Et toi, c'est quoi dedans? Ah, moi, je suis la tortue sur son nuage qui dit de faire demi-tour, parce que comment on sait comment tu conduis? Mais t'es méchant avec moi. Non. Franchement, j'ai quand même moins d'accidents avec ma voiture d'ambulance quand même qu'avant. Hein. Ah ouais, mais c'est le garage maintenant qui est plus là. Hein. Comment ça? Pour. Les mages. Comment ça, John? Bah, t'as vu comment tu t'es garé devant le commissariat? Bah, j'ai eu un peu de mal. Un peu de mal, là. Hein. Un peu de mal. Elle a eu un peu de mal. Comme hein. Mon dieu, elle a eu un peu de mal. Par contre, j'aime bien la couleur de ta voiture. Hein? Merci. Merci. Ah, au fait, oui. Pendant que je te tiens, yes. On a fait des recherches. Oui. À tout moment, on a le droit d'amender ici. Hein. D'accord. Ça peut être un parking privé, il y a du passage véhicule. On a le droit de mettre des amendes si les véhicules sont là-bas. C'est un parking. C'est marqué que ce n'est pas un parking. S'ils veulent se garer, c'est en dessous. D'accord, je vais dire à Sienna. Bah, pas qu'à Siena, hein. Oui, tout le monde passe. Ouais, ok, ça marche. Bah, déjà, tout à l'heure, il y avait Siki qui est venu. Non, hier. Ah, c'est hier, c'est ton mari qui nous a appelé. Oui. Il y avait Siena. Alors, vous avez proposé votre concept à Marie. Il faisait les enfants. Ouais, elle est ultra chaude. Ah. Il faisait les enfants de toute façon. D'accord, ça marche. Il me fatiguait les deux. Comme une baraque à frites. Ah, je vais lui demander. Il demande si. Comme une baraque à frites. À frites. Ah, elle avait compris, chaude comme une bargue à figue. Ah ouais, non. Et le pire, c'est que je suis en vacances, je suis même fatiguée. Non, mais si tu veux, il peut te la démonter, ta figue, hein, à vrai, si tu veux, vraiment. Non. Y'a que chose à faire, moi. Bon, bah, Adam, ce sera pas pour toi, hein. Non, tant pis, hein, on aurait essayé. Y'a que Jean qui a le droit. Ouais, il a dit qu'il y a que les gens qui ont le droit. Non, c'est pas tout le monde alors. Oh, putain. Ah bah, c'est open bar apparemment. Non, bon, j'arrive pas. Ah bah, je te laisse avec Dom, hein, plus tard. Ça me fait chier. Tu peux y aller. J'arrive. Non, tu restes en patrouille, c'est un ordre. Bon courage à toi aussi.
Par contre, je viens de la prévenir comme quoi maintenant on pouvait amender au niveau du parking au hôpital, donc elle va faire passer le mot et si on en voit qui se gare, sauf véhicule d'urgence, on peut amender. Reçu. Stationnement gênant. Ah, les amis de mes amis sont mes emmerdes, hein. N'oubliez jamais ça. Je veux pas te voir à l'hôpital, dame. Ah, je suis pas parti. J'ai encore de l'argent en portefeuille. C'est parfait ça. Braquage de banque. Braquage de super aide, pardon. Demande toutes les unités sur place, s'il vous plaît. On est qu'au petit pistolet, que au petit pistolet s'il vous plaît. Demande de renfort immédiat s'il vous plaît. Sur le chemin. Tu me bloques l'entrée à gauche, s'il te plaît. Je vais commencer les négociations, tu me le pointes au cas où. Monsieur, vous m'entendez? Monsieur. Monsieur, je vous entends pas. J'arrive. Très bien, bah, je suis le négociateur, ça tombe bien. Je vous écoute, monsieur, je suis le négociateur. Monsieur, je vous écoute. D'accord, je peux voir l'otage? Évidemment, si tu peux voir l'otage, c'est comment? Ok, on se tient prêt à partir, il a un otage apparemment. Moi aussi. Monsieur? Non, je le vois pas, mais. Ok. Ok, ça marche, pas de soucis. Ok, ça marche. Donc, vous voulez juste partir? Ok, ça marche, pas de soucis. Mets-toi derrière le mur et tu me le tasses dès que tu peux. Fais gaffe, tu me le tasses dès que tu peux. Il a pas d'otage à l'intérieur, il est seul normalement.
t'es loupé. Fais gaffe qu'il ouvre pas le feu. Hein. Pour le commissaire 96, on aurait besoin de plus de renforts au niveau du super 8, s'il vous plaît. Fais gaffe. Maintenant. Il est parti par où? J'ai pas vu. Oh putain. Putain. Et merde. Reste dans le secteur et on va le revoir passer, tu vois. Auto, je l'ai reconnu. On fait le tour pour voir si on le retrouve pas. Putain, ça me fait chier. Putain de merde. La prochaine fois, essaie de te rapprocher légèrement pour pouvoir t'aider. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. Parce qu'il a pas une grande portée, il t'a que deux charges. Hein. Est-ce que vous avez toujours besoin d'effectifs? Négatif, la moto s'est barrée. On n'a pas pu la prendre en charge. Okay. La prochaine fois, on essaie de le taser un peu plus proche. Moi aussi. Il y a du mouvement du côté du quartier des types, hein. Des tépis. J'arrive. Non, ne viens pas avec ta voiture, c'est vérifié, t'inquiète. Ok, une voiture qui vient de partir à pleine balle direction place des cubes. Fais chier. Reprise de patrouille pour 87. Fais chier. Si on a personne à l'heure, on descendra à deux. Si. Ou on descendra avec la gêne s'ils acceptent.
J'espère que ça vous plaît pour le moment, monsieur Adam. Bon, le planning n'a pas l'air de vouloir se mettre en ligne. Il va falloir que je regarde demain pourquoi il ne se met pas en ligne. Qu'est-ce que j'ai pu branler pour pas qu'il se mette en ligne? Ou alors il est trop gros, il est trop grand, je sais pas comment ça se fait. Ou trop d'informations, je peux pas vous dire vraiment pourquoi. On a des coups de feu. Je prends l'appel, on y va, on y va. On fait gaffe, y'a déjà eu un braquage, on fait gaffe. Hein. Moi je suis à pied. Pourquoi? Voiture HS. Ok, ça marche, bon, moi j'y vais tout seul. C'est au niveau du point S. J'essaie de prendre toutes les précautions. Moi aussi. Essayez de venir un peu plus vite au commissariat, on sait jamais. Arrive à pied. Ok, ça marche. J'ai pris le taser au cas où. Bonsoir. Ouais. Celui-là, non. Lui, non. Oui. Non, oui, non, oui. Ah ouais, c'est... Bonsoir. Bonsoir. On vient d'être appelé pour des coups de feu au niveau du point S. Bah, je sais pas. Écoutez, bah, c'est pas nous. Sienna, quelque chose à. Non, y'a rien. Bah, moi j'étais avec la dame, je peux confirmer qu'elle a pas tiré et elle peut confirmer que j'ai pas tiré. Des coups de feu ici encore? Oui, apparemment il y a eu des coups de feu, t'as pas pris un jerrycan d'essence ou un truc comme ça? Ah, si, mais moi je l'ai pris juste dans la main. Bah, ça nous a déclenché un coup de feu. Genre là, ça me déclenche un coup de feu là? Non, non, soit vous en avez renversé quelque part, soit. Oui, à côté de la voiture. Ah bon? Ah oui. Ok. Bah, je crois que j'ai des problèmes là. J'ai des gros problèmes parce que je vois pas déjà. Mhm. Et bah, du coup, ça doit être ça. D'accord. Bon, bah, je vous souhaite une bonne journée. Bonne soirée, pardon. Ok, ok. Faites gaffe ouais, à vous. Bon. Oula, hop. Ça marche. Ah, c'est sorti le lance-roquette. RS au niveau du point S. Moi aussi. T'as quand même au point S à pied. Ok, t'es où à peu près? Par là, du croisement pour aller sur l'hôpital. Ok, je te rejoins. T'aurais dû appeler le mécano pour qu'il vienne te chercher. Bah ouais, je voulais l'appeler mais comme il y a eu l'appel au coup de feu. Non mais je vais te ramener à ta voiture. T'es où là? Je vous vois arriver là. Et t'es où là? Ouais. On va retourner à ta voiture. Il y avait personne au coup de feu. Il y avait la marque grise et puis Sienna. D'accord. Elle est où ta voiture? Là à gauche. Ah oui, là-bas. D'accord. Bah mets tes gyros, mets ta barre orange et puis appelle le point S. Vas-y. Vas-y. Ou mets-la en fourrière et comme tu veux. Parce que là la merde, s'il y a un dos de braquage, je suis tout seul quoi. Ça. C'est juste une surchauffe moteur. Ouais, c'est ça, c'est une surchauffe moteur. Demande à Sienna qu'elle vienne directement avec sa voiture, qu'elle te répare ça sur les lieux, tu dis que c'est urgent.
Je fais une sieste, j'arrive. Putain, c'est chiant ça. Pourquoi je suis en moins d'FPS que d'habitude? Ou alors c'est ça qui me fait chier, du coup ça pompe toute la coupe, je sais pas. Hop. On revient en ville. On revient en ville, tac tac tac. Tac, ok. Hop, fréquence 17. Je suis de retour. Reçu. Pas d'appel pendant mon absence? Négatif. Ouais, ok. On t'a réparé ton véhicule? Signal arrive. Ok, ça marche. Je me gare sur le côté, j'arrive. Dans deux petites secondes, tout de suite. De la patrouille. On reprise de patrouille pour le commissaire. Bon, commissaire, le signal a réparé mon véhicule. Ok, c'est bien pris.
ça m'en faire une facture à payer à la fin de la semaine. J'ai pas compris. J'ai dit ça va me faire une facture à payer à la fin de la semaine, elle va être énorme. On map. Non mais c'est de la faute de tout le monde, hein, vous inquiétez pas. Hein. Je fais un peu le tour des épiceries, voir s'il y a rien qui se passe à l'intérieur. Moi aussi. Tu peux en faire de même de ton côté. Ok. Bonsoir. On rentre au commissariat pour se préparer. Moi aussi. Donc on sort, il y a déjà les deux véhicules de sortie. Moi aussi. Éteins tes gyros. Je te laisse conduire le 4x4. Prévoir armement le donc fusil d'assaut, gaz BZ et prends ton snipe au cas où. On va charger les véhicules avec les gyros. C'est bien toi qui avais trouvé le traitement de coke? Non, de weed, cannabis. Ouais, de weed, bon, oui. Yo John, j'arrive mais j'ai plus mes armes. Demande à un staff s'ils peuvent pas te les redonner. Demande à faire un report, il y a un papillon qui aime bien sur toi. Hop là. Je décale mon chat 2 secondes. Ma voiture, chef de groupe. Hop là. Première fois que vous les voyez sortis, ceux-là. Je sais que dans le coffre, normalement, il y a tout ce qu'il faut. On va commencer par l'endroit où on peut récolter la coke. Ensuite, ton endroit. Le traitement de la cocaïne. De la cocaïne, on peut pas y aller, c'est sur un bateau. Donc, faudra qu'on voit autrement. Si on peut abaisser là. Et avec le menu avec ton muscle Y, tu peux abaisser la visière. Attends, le chat, c'est pas que tu me déranges, mais mets-toi là sur ce côté là. Je crois que ça me dit que j'ai pris les grenades, mais je les vois pas dans mes poches. C'est dans quoi les. Ah ok. Tu les avais pas avant, non?
Peut-être que t'as quel bidon d'essence de cette là. Ouais, affirmatif. Effectivement. Hop. Regardez mes jumeaux, moi, c'est comment ils sont. C'est pas emoji. Descends le chat. Ok, braquage en cours. On fonce sur le braquage du coup. Affirmatif. Je te laisse prendre le gros 4x4. Reçu. On n'utilise que les pistolets. Hein. Reçu, j'arrive après. Putain, dire qu'on part en raid du coup. Le raid du coup se déplace à bas. Raid numéro 1 arrivé sur les lieux. Est-ce qu'il y a besoin d'effectifs supplémentaires? Affirmatif. Ok. C'est la même moto que tout à l'heure. Raid 2 sur le trajet. Pareil, tu te mets à l'autre entrée au cas. Je vais envahir. On attend les autres effectifs. Donc uniquement pistolet hein. Non, l'autre, ça... ouais, bon, je sais pas comment tu rentres, mais ouais, comme ça. Tu peux mettre tes gyros, Dean aussi. Dean, tes gyros. Je vais commencer à parlementer. Monsieur ? Une demande de renfort, s'il vous plaît. Monsieur, je vous entends toujours pas. Oui, oui, vous m'entendez ? Oui. Bougez pas, j'ai des otages. Ah, mais je bouge pas, je reste là. Je peux juste pas lever les mains, excusez-moi. Ah, c'est bon. Je négocie. Eh ben, on négocie. Je veux juste récupérer l'argent, je fais de mal à personne et je me barre et personne me poursuit. Ok, y'a pas de soucis. Est-ce que je peux voir les otages ? Oui, vous pouvez voir. Regardez par la fenêtre à votre droite, ils sont tous les deux derrière le barman. D'accord. Est-ce qu'ils vont bien? Oui, ils vont très bien. D'accord. Ça fait quand même la deuxième en l'espace de 30 minutes. Ah, c'est comme ça, c'est la vie, monsieur. Ok, bah écoutez, faites ce que vous avez à faire. Est-ce que tu veux que je vous montre? Aucune photo. Ok, no souci. Ouais, tu peux. Aucun souci. Okay. S'il faut, on peut t'attendre. Je vais rapprocher mon véhicule de façon à pouvoir le taser au cas. Si. On se prépare. Ouais, t'as ça. Vas-y, c'est bon, on est prêt. Ça aura un peu de négoce.
Bah, il veut partir, donc on lui a dit qu'on le laisserait partir s'il nous relâchait les otages. Mais tu les as vus au moins les otages? T'inquiète, c'est la même technique qu'il nous fait tout à l'heure. Bah vas-y, on lance le taser. Attends, attends, attends. Personne lance le taser. Quand tu veux, Julien. Tu veux vraiment donner l'assaut? Écoute, s'il n'y a pas d'otage à l'intérieur, il... Bah si t'as rien montré, on part du principe, hein. On part du principe qu'il n'y a rien? Bah... On le pompe. Non, non, négatif, on reste au pistolet. Bon, bah écoute, go, on lance. Attends, il est retourné du temps. Attends qu'il monte sur la moto, dès qu'il monte sur la moto, tu le tasses. C'est ce qu'on essaie de faire depuis tout à l'heure. Hein. Putain! Il s'est pété la gueule, il s'est pété la gueule. Ah bah go, go, go! Putain, Shanna! Ah, je le vois plus, il a dû se cacher du câble. Putain. Ah, putain. Faut que j'aille au point récent en urgence. S'il y a besoin, tu me dis. Aucun souci. Pas qu'il me claque entre les doigts, ce con. Claque pas entre les doigts. Red 2, est-ce que tu peux me rejoindre au point, s'il te plaît? J'arrive. Qu'on reste groupé au moins, comme ça, il n'y a personne qui pense qui pourra faire une attaque. Ils vont sûrement essayer d'en faire un autre. Ouais, c'est pour ça, essaye de rester groupé. Là je pars de la GN. Moi aussi. Nickel. Bah moi je viens de faire réparer ma voiture parce que j'ai le malheur de la prêter dans le parking à ce prix de l'abruti. Pas besoin de sirène. Sienna. Bonsoir. Tout à l'heure, il y a John. Qu'est-ce qu'il a, John? Qu'est-ce qu'il a, John? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a, John? Qu'est-ce qu'il a? Non, j'ai expliqué tout à l'heure que vous avez essayé de me faire conduire, c'est tout. Et qu'on va te retirer ton permis, bien joué, t'as raison. Non, mais non. Sienna. Tu vas bien, John? Bon, bah ça va, ça fait juste deux braquages qu'on a, quoi. Ah oui, merde. Non, on voulait faire. Je peux pas prendre mon service encore, je dois encore m'occuper de l'intégration de monsieur là. Mais c'est pire qu'une intégration, excusez-moi, mais. Ah oui, non, faut lui trouver un véhicule personnel, mais le concessionnaire moto il est pas là.
Enfin, il est là, mais on ne le trouve pas. Et le concessionnaire voiture, bah, il n'est pas là. D'accord, et Sienna, elle est à la sieste ou quoi là, parce que... Ah oui, bah, ça fait dit, quoi, peut-être 3 minutes que je suis là, que j'attends. Ok, bon, attends. Hop. Crise cardiaque, hein. On est d'accord, reculez tous. Oui, oui. On va choquer. On a choqué. C'est moi le tir, c'est moi le tir. C'est Nara. Ok, crise cardiaque, on va choquer. On choque un coup, ok. Attention. Dom, je te laisse prévenir que c'est nous. On choque. C'est nous les coups. Ah, tu vas bien, Dom? Ça va. Ok, docteur, vous pouvez dire qu'elle est morte, c'est bon. Allez, on a fait notre boulot, on peut repartir. Bonne journée. Vive la police nationale. Vive la police nationale des Indes. Oui, alors oui, vas-y. Vas-y, je t'écoute. Vas-y. Vas-y, je t'écoute. Non, je regarde comme tout à l'heure. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? J'ai des boules caisses, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Vas-y, gueule, vas-y, gueule, gueule, vas-y. Que tout le monde profite de taper le mot. Non, moi j'ai pas de piqué. Allez, la Castafiore. Allez, la Castafiore. Étouffe-toi, mais en silence. Il y en a. Non, c'est mon ami aussi, je vais m'occuper de ce cassos-là. Ah, y'a pas de soucis, je m'en occupe. Non, par contre, non, tu touches pas la bagnole. On pouvait bien prêter un peu. Du con, c'est ma bagnole, c'est moi qui décide. Ah, ça y est, Sienna est de retour. Sienna ? Yann. Est-ce que tu peux nous réparer le véhicule raid, celui qui est le plus à gauche ? Oh, pardon. Tac, celui qui est le plus à gauche. Maria, il est électrifié plusieurs fois, hein. Quoi ? Ils t'ont électrifié plusieurs fois. Qui ça? Il y a John. Attends, quand tu seras pas en tenue. Ah, moi j'ai rien fait. Celle qui est la plus à gauche. France, occupe-toi du raid d'abord. Celle-là. Celle-là? Non. Occupe-toi du raid d'abord. Là, là. Celle-là. Celle-là. Ouhou. Celle-là. Voilà. Mais celle où je suis debout, celle où je suis debout. Là, celle-là. Non mais c'est bon, j'ai vu. Voilà, celui-là, faut le réparer. En haut. John. Oui. J'ai le malheur de le laisser faire un credo dans le parking. Dans le parking de la moto, regarde. Qu'est-ce que là? Mais je vois rien moi. Attends. Tu vois pas l'arrière? Mais je vois rien. T'inquiète pas, je vais m'occuper de toi. Attendez. Deux petites secondes, s'il vous plaît, je me mets dans ma tête deux secondes. Écoute, c'est un screamer. Écoutez, les screamers. Après, bah nous on s'en va, merci à vous pour tout, à bientôt. Le screamer, à bientôt. Depuis quand vous avez posé les 4x4 à Oren? Ah, depuis un bail. Bonjour 14, on vient vous chercher en tenue raid s'il vous plaît. Bon, je me mets en tenue raid, c'est possible de réparer. Vous mettez en tenue raid avec fusil d'assaut sur vous s'il vous plaît. Vous êtes pas prêt. On va devoir refaire une pièce. Y'a pas de soucis, pour le moment on roule avec les gyros. Hein. Ouais, j'ai peine. Dom, on va rééchanger les véhicules. J'ai un chat volant. J'ai un problème de l'œil, du coup je sais pas où la sortir. Ah, ça c'est pour les. Bah, y'a monsieur Dom qui va venir vous chercher. Je vais essayer de me rappeler par cœur. T'es où? Je suis en bas. Ouais.
rien trouvé. Bah écoutez, on a des tirs, les amis. On y va. Allez, go, le raid, on se déplace. Allez, on y va, c'est proche de la cité, donc on fait gaffe. On va où ? Vous êtes avec Monsieur Dom, hein, donc montez dans son véhicule. Poutifo au niveau du quartier. J'attends des unités supplémentaires. Putain, je sens qu'on va jamais pouvoir faire cette descente, sort. On s'attend à l'accueil, on s'attend devant. Faites gaffe au toit, faites gaffe au toit. Monsieur Will, vous menez derrière mon 4x4. Monsieur Toretto, vous mettez là où on a vu la dernière fois. Sniper. Je disais, monsieur Toretto, vous vous mettez sur le toit de la dernière fois. Et vous me laissez monsieur Zuma avec moi. Putain, je suis en train de crever d'où là. On attend ton truc, ton accord. On fait gaffe au toit, monsieur Will. Et vous pouvez descendre vous pouvez descendre votre lunette. Hop. Comment on fait ? Votre muscle Y et la casquette qui a des flèches autour. Tu vois quelque chose ou pas? Négatif. Ok, ça marche. On va pénétrer, on attend un peu plus de renfort et on va pénétrer à l'intérieur. Monsieur Will, vous reculez en même temps que moi? Non mais non. On y va. Est-ce qu'on a des unités GN qui arrivent ou pas? Dom, tu vois quelque chose? Ah, non, je suis tombé du toit. Je suis toujours debout. Bien joué. Ok, monsieur Will, on va rentrer. J'ai du mal à vous entendre. Montez derrière moi, monsieur Will, derrière moi. Évite de te mettre trop à la vue des autres. PN pour toutes les unités, est-ce qu'il y a d'autres unités qui doivent venir sur les quartiers? Sur la droite. Ah, il y a du monde, Ok, il y a du mouvement, personne en blanc, je répète, personne en blanc. Avec un parachute, je crois. Ouais, ça. Ouais, on va rester devant du coup, on va attendre voir s'il y a du monde qui ou pas qui doit rentrer. Est-ce que tu peux nous protéger du coup, Dom? Une voiture qui démarre, Il y a une voiture qui vient de se barrer, on va essayer on rentre dans le dans la cité, c'est parti, go. Vas-y, Zuma. Tu peux nous rejoindre en renfort, ouais. Mais je vois, reste en snipe sinon s'il y a du monde. Ouais, ça marche. Là ? Ouais, on fait gaffe, On va faire le tour, on va voir s'il y a du monde. Il en regarde. Il y a une voiture qui vient de se réarrêter au niveau du quartier. Dame. Tu confirmes ou pas au snipe? Je confirme qu'il y a une voiture qui vient de se barrer. Qui vient de se barrer encore? Oh, ok, bon. On va attendre voir, mais sinon on va prendre des croches, les gars. Sinon bloquer la rue, hein.
Ouais, ce qu'on va faire. Il y a eu des coups de feu, non? Non, pour le moment, il reste, pourquoi? Je sais pas, j'ai entendu un truc claquer. Genre avec le. Non, ça y est, c'est bloqué avec le trafic routier. C'est sur le toit pour avoir un meilleur angle. On va voir s'il y a d'autres unités qui peuvent se rendre sur place ou pas. On reste en attente pour le moment. Tu peux me dire ce qu'il fait le mec en blanc ou pas? Non, là je suis descendu du toit, j'essaie d'avoir un meilleur angle. Ok, c'est de nous le trouver assez rapidement parce qu'on est quand même à découvert. Ce soir j'ai que des problèmes de lag ou de map. Ouais, moi aussi j'ai quelques problèmes de lag. Là de là où je suis, je le vois. Ok, il fait quoi? Il attend devant sa voiture. Je sais pas où il s'est mis, mais il voit tout. Il s'est déshabillé et enlevé le haut. Ok, ça marche. Je sais pas. Ok, tu peux le mettre en jeu au cas où. C'est déjà fait. Monsieur Will, vous me couvrez, je vous donne mon arme. Vous me couvrez deux secondes. Ouais, si, là, je vous aider. Bonjour monsieur. Bonjour. Il y a eu des coups de feu dans, oui, dans le quartier. Oui, oui. D'accord. Est-ce que vous êtes témoin de quelque chose ou pas du tout? Bah ouais, ça vient de tuer un de mes gars, ouais. Ça vient de tuer un de vos gars? Ouais, enfin il s'est pris une balle, il est à l'hôpital là. D'accord. Le mec est habillé comment? Bah je sais pas, il s'était venu des voitures comme ça là, des voitures noires. D'accord. Ils ont tiré et ils sont barrés. D'accord. Et le blessé, il est à l'hôpital? Normalement, oui. Ok, ça marche. Pas de soucis. Il y a un mec qui lève les mains, c'est normal. Ok. Bon, on va se renseigner, monsieur. Ah, c'est bon, ok. Bon courage. Pas, moi aussi. Quelqu'un me fait une recherche à l'hôpital, savoir s'il y a un blessé par balle qui est arrivé. Sa mère, si je crois. Moi aussi. On va se reculer pour savoir ce qui se passe vraiment. Putain, le bordel. Hop. Tu nous donnes une confirmation ou non? Négatif, il n'y a pas de blessé par balle. Ok, ça marche, bon, on va rentrer, couvre-nous. Il est où le mec? Alors, à gauche. Monsieur? Vous nous expliquez? Deux. Pourquoi il n'y a personne qui est arrivé à l'hôpital blessé par balle? Bah, je sais pas, il est pas à l'hôpital. Bah, ah non, il est pas du tout à l'hôpital. Le médecin est formel, il n'y a personne qui est arrivé. Bah, attendez. Vous pouvez descendre du véhicule au moins, s'il vous plaît? Ouais, pas de problème, si vous voulez. Attendez deux secondes. Ouais, vous m'entendez? C'est qui qui a accompagné le gars là, à l'hôpital? Ah, t'es pas à l'hôpital? Je te baisse pas, merde. Ah, ok. Ouais, il va aller à l'hôpital là. Ok, là, vous lui dites qu'on va le rejoindre là-bas. On a quelques questions à lui poser. Ça marche. On décroche, on va à l'hôpital. Tu peux monter à côté de moi, Azuma. Bah, l'emmène surtout pas à l'hôpital. L'emmène surtout pas. Dom. Salut. Reste là, surveiller ce qui se passe. Reste ici, moi. Bah, si tu veux venir avec nous, mais si tu veux surveiller ce qui se passe là-bas, s'ils reviennent, on sait jamais. Ok. Le moindre souci, tu nous fais un code 99. Merci.
ce qui se passe. C'est quand même chelou, la soirée elle va être mouvementée, je sens. De quoi ? La soirée va être mouvementée. Ouais, ouais, en plus, je sais si je vais rester trop longtemps. Ah merde. Je vais essayer de rester au moins jusqu'à la fin. Ouais, bah moi je quitte à 23h de toute façon. Je quitte mon service à 23. Le SAMU n'est pas au, à l'hôpital, est-ce que tu peux demander où ils aller sont point, ils sont au point S. Ok, ça marche, je vous pense. Maria ? Il est où ton patient ? J'ai pas de patient. Ah bah apparemment il y a un monsieur qui est arrivé chez toi blessé par balle à l'instant. Bah je suis là depuis tout à l'heure. Ok. Le mec s'est foutu de notre gueule hein. Le blessé n'est jamais arrivé à l'hôpital. C'est ce que je me disais. T'es toujours en place ? J'ai pas reçu d'appel ni rien. Ok, ça marche, merci Maria. De rien. Ok les gars, on reste en tenue raid, on sait jamais. On va remonter gêne pour peine. Ok. Je passe sur la radio, c'est si t'as besoin, transmet à Zuma, il me dira. Gêne pour peine. Gêne pour peine. Ok à tous, on se retrouve place des cubes, on fait une descente chez le marchand d'armes. Allez, écoute. Dame. Ouais. On se retrouve place des cubes, rassemblement, on part chez le trafiquant d'armes. Descente là-bas. J'arrive. Faites gaffe, on a arrêté sur le bas-côté. Hein. Tu peux dégager toi s'il te plaît. Tu peux dégager, merci. Connard. Bon, on va voir. Ça va sinon monsieur Win. Écoutez, oui, plutôt bien. Je travaille tous les soirs, tranquille. Ouais. Tranquille toi. Un peu moins on va dire farfelu que les autres fois, parce que voilà, les interventions, etc. Mais oui, ça va. Ok, tant mieux alors. Tant mieux, et tant mieux. Monsieur, ça va, ça va. J'ai pas à me plaindre. Encore heureux d'ailleurs. Ça va, ça va. Je travaille un peu plus que d'habitude, mais ça va. D'accord, d'accord. Je vais trouver un emploi. Pardon ? Non, rien. Attends, on a une quatrième personne qui va venir avec nous en raid. Reçu. Je laisserai conduire. Ouais, qu'est-ce que tu veux ? Attends, je vais mettre le point pour aller au marchand d'armes. Vous avez fait quoi depuis le début là ? Mais par contre, il faudrait que vous me remontrez exactement où il est le toit où on était la dernière fois. Aucun souci. On a fait deux braquages et là il y a eu les tirs. Je voyais pratiquement rien. Ouais, c'est bien sûr. Le problème c'est que là, je fais pas. J'ai un peu la tête qui croustille. Ah merde. Ça va mieux ? Comment ? Ça va un peu mieux ou pas ? Non, mais là, pour l'instant ça va, parce que quand on roule.
Ah ok, ok. Bon, on attend là notre quatrième personne et ça devrait être bon. On va rentrer avec quel type d'armement? Fusil d'assaut. Il y a Zumawel qui dit de le lance-roquette. Il a pas tort. Donc on fait une belle colonne les gars. On évite de se shooter s'il y a du monde. On a pas de tank raid. Négatif. On les a pas encore su. On a déjà des véhicules blindés donc écoutez. Ils sont pas si blindés que ça je crois. J'espère qu'ils sont blindés. Oh si si, ils sont quand même assez blindés hein. Les pneus non, mais je sais que la carrosserie oui. C'est qui la quatrième personne? Le maire. Ah bah je vais le laisser conduire alors. T'as intérêt mon gars. Il y a la formation raid. Ouais, il a la formation raid, ouais. Il l'a passé, c'est lui qui nous l'a fait passer. Impeccable. Fallait dire que c'est moi qui bouchais toute la circulation depuis tout à l'heure. Allez-y ma petite dame, faut y aller hein. D'accord, je vois que t'as. Vous avez la cote avec les petites vieilles. Ah bah oui, hein, surtout avec l'auto-école là, hein. Oui. Avec l'auto-école carrément. Bah oui, il y a une dame qui était à l'auto-école qui s'appelait comment elle s'appelait déjà? MJ, comment on l'appelle? MJ. Il n'y a pas de vous hydrater de manger. Ouais, affirmatif. Moi je connaissais MC Macron mais MJ je connaissais pas. MC MJ. Ah, la sieste, ça sera pas pour tout de suite. Hein. Ah, malheureusement, non. Vous voulez faire une sieste? Pas le temps, on a du boulot. Bon, allez, on démarre, il nous rejoindra là-bas. Oh, le bordel! Personne nous fait gaffe que personne ne nous rattrape. Hein. Je vérifie sur les bords. Gardez l'arme à la main, on sait jamais. J'ai toujours mon arme. On couperait les sirènes 500 mètres à l'avance. Non, je veux pas de saucisson, monsieur Will, je suis en train de conduire. Ah oui, tiens. Ça, c'est pas qu'un monsieur Will qui est en train de me proposer du saucisson alors que je conduis. Fin le bonhomme. Ah, oh, j'ai putain. Trouvé du saucisson dans la boîte à gants. Hein. Dans la boîte à gants? Carré, mais. Ah bon, bah, je vais te le manger. Du coup, je vais peut-être tomber malade. Mon dieu. Ok, on coupe les siennes. Quoi le moteur? Pardon, on est sérieux. Pourquoi vous m'avez parlé de moteur? Non, non, pour rien. Je quittais pas. D'accord. Vous pouvez être des fois chelou, monsieur Wino. Oui, bah oui. Et c'est normal. D'accord, si vous le dites. Vous êtes un peu éloigné de votre collègue. Pas de notre collègue, du coup, parce qu'on est ensemble. Mais... Il est juste derrière. C'est vrai qu'on est un peu la nuit. Tu te traînes demain. C'est derrière. Ok, ça marche. Allez, go, on tourne. Attention, on va tourner. On éteint tout, phare et lumière.
niveau discrétion, on remettra derrière. Le muscle. T'es phare. C'est quoi le muscle? H. H. Oh putain. En plein phare, allez. Faut se mettre en shoot. Ok. Top inter. Oh putain. Allez, on y va en colonne derrière moi, en colonne. Police de Annecy, ouvrez. Oh. Ok, reste sur la droite. RS. Vérifiez la porte de derrière. RS dans les lieux. On part. On va retourner en ville, on se change. Et au pire, on se remettra en raid s'il y a besoin. Merci. Parce qu'on peut pas patrouiller avec, donc on est dans la merde. Pas trop de joie là, en même temps. On fait gaffe s'il y a besoin, on garde la tenue raid près de nous. Moi aussi. Véhicule du raid, on les laisse sur le dans le garage, tu vois, où il y a le parking. Dans les garages qui s'ouvrent. Affirmatif. On retourne avec les gyros, bien sûr. Déçu, je pensais qu'il allait y avoir du monde. Je pensais qu'il allait avoir du monde. Ouais, peut-être. Ou sinon, ils sont dans la. Autre part, peut-être dans les blanchiments ou dans les trucs de droite. Attends, on va ranger le raid. Raid numéro 2, on va au blanchissement. Pardon. Je vous suis. On va au blanchiment. C'est dans quel raid que je dois aller? 2. La voiture derrière, voiture derrière, voiture derrière, Dom. C'est Dom. Au niveau de blanchiment, les gars. Oui, parce qu'ils ont fait un braquage. Ouais. Donc techniquement, c'est de l'argent sale, non? Tout à fait. Il a raison, monsieur Will. Vu qu'ils ont fait un braquage, merde, techniquement ils sont forcément là-bas. Pas forcément, mais c'est une possibilité. Ils sont pas déjà allés. Ça prend du temps, hein. Ouais, c'est une grosse somme d'argent quand même. C'était des flics ou une banque centrale? Non, c'est des supérettes. Des supérettes, des supérettes. On fait la même, Dom, après on éteint les sirènes. Hein. Faut m'expliquer. Hein. Bon, bah, au niveau du blanchiment d'argent, vu qu'il y a eu des plusieurs braquages de supérettes. Ok, on coupe les sirènes. Question, c'est s'il y a des pertes. On est rapide, ça. Affirmatif. Ah, petit problème de tête. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Bah avec tous les braquages qu'il y a eu et tout ça, on fait des descentes chez le marchand d'armes, on va... Là on est parti pour aller au lieu de blanchiment pour... Ok, on laisse les véhicules là, sur le côté. Tout le monde avec les armes.
gaffe que ça peut canarder en bas. Ok, on rentre en même temps, vous êtes prêts? Ah merde. Vous me dites quand vous êtes tous prêts à rentrer. C'est bon? Ouais. Allez, 3, 2, 1, on rentre. Putain, c'est vide à l'intérieur. Ouais, c'est clair à l'intérieur, y'a personne. Hein. Putain. Alors, j'aurais parié là-dessus. Bon. Bah, moi aussi, c'est ça le problème. Ils l'ont déjà fait, soit ils vont venir plus tard. Bah, s'ils viennent, on va rester en planque s'il faut. Hein. Bah, ça sert à rien qu'on reste trop longtemps non plus, parce que s'ils viennent pas. Ouais, j'avoue. Bon, on va ressortir de là du coup. Putain, fais chier. Qu'on soit une unité au cas où, non? Bah si vous devez partir, je vais rester. Si vous devez partir, je vais rester avec monsieur Toretto. Mais on va changer de véhicule. D'accord, Dean. Dom. Moi aussi. Je suis déçu, clairement. Bah ouais, moi aussi. On va changer de véhicule et on va se mettre en planque. Viens. On pourrait peut-être plus planquer les véhicules. Non mais on va changer de véhicule carrément. On va prendre des véhicules banals. Ce que je veux dire, c'est quand on fait des inters par exemple comme ça, au cas où ils arrivent, tu vois. Ouais, j'avoue. Genre tu sais, ça les fait rentrer, ils savent pas qu'on est là. Ouais. Bon allez, on va ranger. Retour. Ah bah on a fait, il y avait personne sur place donc on laisse tomber malheureusement. Fait chier. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres points où possiblement il serait... Non, non, non. C'est les seuls. C'est peut-être dans leur quartier. Hein. Peut-être. Dean, Dom. Ouais. Tu ranges le véhicule dans le garage juste en face de moi et on part en bana. Moi aussi. Tu veux venir avec nous, Zuma? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais Joe, c'est... Attends, j'ai rangé le véhicule. Ah ok, d'accord, bah attends, je sors. Je range aussi la mécane. Négatif. Allons-y. On est parti. Bienvenue dans le véhicule du raid banalisé. Dark Vador en route. Ah là, ça va aller. Au fait, mon nouvel atterrail que je vous ai fait voir tout à l'heure, je le reçois demain. Yes. Donc je vais pouvoir m'entraîner avec ça. Bien joué. Du coup, on va retourner sur le toit que je t'avais dit. Ouais. Ouais, parce que je crois que je me suis gouré de toi en fait. Ça marche. Elle est pas mal aussi la talisman en noir black. Ouais. En mat. Ouais. Ouais, j'aime bien. Mais ce qui on est fort repérable, c'est Giro au-dessus. Bon, après, il faut vraiment s'y attarder. Tranquille, tranquille. Bah, non, je me suis pas trompé de toi. Mais tu vois rien d'où t'es. Tu sais que tu peux zoomer avec ton snipe. Ouais, mais en fait,
J'ai pas réussi à monter. Ah ok. Ah mais c'est normal, c'est pas la merde. Attends, c'est normal que t'aies pas réussi à monter. Non non, t'inquiète, t'inquiète, hop. Voilà, c'est là, tac. Ah bah voilà. Tac. J'en ai marre, je traverse le sol, ma voiture se transforme en soi. Négatif, on va faire de la surveillance maintenant. Okay. Merci à toi. Ok, moi je suis en place. Je vois rien pour l'instant. Pareil pour ma part, RS pour le moment. Ouais, c'est à couvert les gars. Ah ok, j'en ai marre. On veut faire bien rentrer. Merde. Pardon. J'ai une salle qui croit qu'il venait de rentrer. Attention, quad en approche. Quad. Prends-toi un peu plus digne de ce que la tille travaillant. Dame, s'il te plaît. Descends un peu plus. Descends un peu plus bas dans le creux. Là, dans le creux si tu peux, pour être vraiment à couvert. Le quad est arrêté au niveau du trottoir gauche. Il vient de sortir. Il fait quoi? Ah, mon tonic blanc plein milieu de la route. Enfin, pas en plein milieu de la route, mais presque. Il n'est plus là d'ailleurs. Ah, c'était là. Fais du BMX. Ok, c'est bien pris. On va attendre un peu. On va voir s'il y a des tirs. Sinon, on va prendre en rentre. Il vient de s'éclater la tronche. Ça, c'est marrant. Ok, moins de rames, tu préviens. Ça va être compliqué de voir d'ici. Enfin, pour moi. Oui, mais il a son sniper. Moi. Il a son sniper, c'est pour ça que je dis ça. Okay. Monsieur Will, on va redescendre dans la voiture. Comme ça, elle a moins de rames. Autorisation de sniper. Tu préviens avant quand même. Hein. Moi aussi. Il reprend le quad. Vite, planque-toi, Zuma. Vite, 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 Zuma, Zuma, Zuma. Vite, vite, vite. T'as l'arrêt là. Ok, on attend tes ordres. Une voiture qui est sur le côté, qui discute avec lui, à mon avis. Ok, quel type de modèle? Il prépare peut-être juste BMW. Le truc, ok, fais gaffe, ouais, comme dit monsieur Zuma, peut-être qu'il prépare quelque chose. Ouais, ouais, je me doute, je scope et je me baisse parce que sinon, si je scope trop longtemps. Ils sont peut-être en préparation pour justement le blanchiment. Ouais, au pire, on va suivre après s'il faut. Et l'individu, c'est monsieur Akanwiz. Tiens, tiens, tiens. Une capture d'écran. De quoi? Capture d'œil.
resterait pas un que vous. On attend devant la voiture. Ok, ça marche. Il est remonté dans sa voiture. Et il est reparti. Il s'enfonce dans la cité. Il est reparti. Il s'enfonce dans la cité, je le vois plus. Ce qu'on aurait dû faire, c'est qu'on aurait dû mettre une personne en stand-by dans le truc. Enfin, vers le blanchiment. Juste pour prévenir. Mais là, je vois plus personne. Là. Je vois même plus le mec en blanc. Là. Il a toujours son truc là. Ok, d'accord. Merde, ouais, il y est toujours. T'as plus la voiture? Négatif, elle est partie. Je la vois plus. J'ai bien pris. Ils ont peut-être fait la. Ils ont peut-être mis dans le coffre les trucs hein, de la voiture. Peut-être. Il faudrait que le commissaire y revienne. Ah ouais, pour savoir un peu ce qu'on fait, parce que là. Bah. Je pense qu'on va bouger, hein, mais. Elle est repartie la voiture. Elle est ressortie. Ok, elle est vraiment partie là, du coup. Il me semble ouais, que c'était ce modèle là, mais j'ai essayé de voir avec le sniper, mais de là où je suis, j'avais un obstacle devant moi. Ok, et elle est partie vers où? Vers de là où on venait. Direction blanchiment quoi. Je pourrais monter sur ses genoux et conduire, mais ça risque d'être compliqué. Ouais, surtout qu'il pèse lourd. Comment ça? Ah, la voiture s'est enfoncée dans la cité. À mon avis, elle est ressortie de l'autre côté. J'ai essayé de scoper, mais je voyais rien puisqu'il y avait un obstacle devant. Mais le mec au quad, il est toujours là. Quad est toujours dehors. Va direction blanchiment. BMW grise. Ok, ça marche. Parti direction blanchiment. De ce fait, je redescends ou. Non, reste là, au pire, on viendra te chercher. Moi aussi. Ce que je disais à Dom, il aurait fallu peut-être quelqu'un genre qui surveille au niveau du blanchiment. Justement. Bon, on va y aller au blanchiment. Ouais, ouais, non, mais je veux dire, justement, qui reste là-bas, en mode. Comme il fait Dom. Y'a les K2 ? On va y aller à deux, ouais, t'inquiète, à deux, avec les fusils d'assaut, ça devrait aller. Ok, Zuma, je te couvre et tu me couvres, ok? Ok, moi je regarde derrière, je regarde devant. Bah, c'est un peu normal pour moi de regarder devant. Oui, bah oui, mais. Même quand on est en inter à pied. Ouais. On va se planquer derrière, un peu plus loin. Non, il passe, ça n'est pas bon. C'est peut-être mieux un peu plus loin. Ok, on va laisser le véhicule là, on va y aller à pied. Top. Il y a des poupères, hein. On vient d'arriver au niveau du blanchiment, on va attendre à l'intérieur si on peut. Zoom out avec moi. On rentre. On va essayer de rester planqué à l'intérieur si on peut. Essayez de vous planquer derrière les machines. On devrait bouger la voiture parce que là elle est visible. Tu veux la bouger? Ouais, je pense que je vais aller la bouger, je vais la planquer. Vas-y, fais gaffe. RAS de mon côté pour le moment.
Ok, ça marche, je vais voir avec un policier s'il peut pas venir te récupérer. Merci. Je viens de faire la demande, on va voir si ça accepte ou pas. Zuma, si tu viens à l'intérieur du blanchiment, pas d'armes à feu, juste l'étal, il y a des trucs qui sont inflammables. D'accord, d'accord. Seulement le taser, c'est ça? Affirmatif. Toujours personne dehors. Toujours personne à l'intérieur. C'est moi, c'est moi. Ok. J'ai dit taser, monsieur Will. En espérant qu'il y ait quelqu'un qui vienne, quoi. Ça serait ça. C'est ça. On reste pas en planque pour rien, quoi. Ouais, dès que quelqu'un reprend, tu peux reprendre ta patrouille si tu veux. Mais bon, on a, on sait que monsieur Akan est en contact avec monsieur Lamar. Affirmatif. Allo, y'a besoin pour quoi? Pour venir récupérer Dame là où il est. Il t'envoie une demande d'enfance, si tu veux. Un véhicule en particulier ou pas? En véhicule banalisé, 308 de préférence. Ok, reçu. Merci. J'avais reçu. Je sens qu'on va attendre pour rien. C'est possible, c'est possible. Mais ils n'ont pas pu encore blanchir l'argent, c'est pas possible. Ou alors ils ont fait très très vite. Effectivement, je pense que... ouais. Je pense qu'il y a... ou ils rassemblent une grosse somme pour faire tout d'un coup, ou sinon ils vont pas faire ça ce soir, je sais pas. Il va falloir qu'on patrouille plus par ici alors. Bon, bon, on attend encore 5 minutes et on se casse après s'il y a personne. Dans ce temps-là, je me mets un peu de musique dans l'oreillette. Faites-moi une demande de renfort pour la personne qu'il faut venir chercher. Ouais, bah, je pense que c'est du. On sort? Ouais, on va sortir. On patrouille autour, puis. Affirmatif. On va déjà aller changer. Putain, y'a personne. Tu as mis la voiture, Zuma? Pas très loin de. Mais c'est juste que. Putain. Ah, ok, parfait. Parfait. Ah ok, je fais le Uber, c'est ça. Dom, t'es où? Tu sors le toit. Ça
C'est bon, tu peux décrocher, dame, tu peux redescendre. Reçu. On a assez d'informations pour le moment. C'est où que tu descends? Par derrière. Dans les ruelles, dans les ruelles. Ok, on se change et puis on peut repartir en patrouille maintenant qu'on sait un peu plus. Moi aussi. Si on voit la BM, faudrait qu'on la contrôle du coup. Ouais, affirmatif. Parce qu'il y a sans doute des trucs. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc pour tous, vous pourrez contrôler la BMW grise si vous la croisez. Moi aussi. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Vous voulez passer sous le bureau? Dom ainsi que Zumawel, je voudrais vous voir dans mon bureau dans 5 minutes, s'il vous plaît. Aussi, bah, temps de faire la route. On change de tenue, là? Ah, bah, bien sûr. Je sais même pas combien il reste en. Ça va, ça descend pas de trop, c'est bon. On range le sniper et en tenue normale s'il vous plaît. Alors un conseil, ne vous asseyez pas dans mon fauteuil en face. On peut ranger le gaz aussi. Tout à fait. J'attends Monsieur Toretto. Oula. J'ai fait quelque chose de mal. J'ai une heure de colle. C'est pire qu'une heure de colle. Oula, je me suis fait renvoyer du lycée. Oh, c'est terrible. Ah, c'est ça. Je redouble. Vous avez déjà redoublé, ça me suffit. Ah oui, c'est vrai. Putain, il est parti se toucher, je crois, par contre, votre collègue. Je crois que Dôme, on va redoubler. Pourquoi? On est dans le bureau du proviseur. Putain, il est heureux, il est tellement heureux qu'il est mis en courant. Oh. Désolé, désolé. Qu'est-ce qui se passe? Un spam, j'ai un spam. Ça force de scoper avec le sniper, tu sais. Silence. Je vous écoute. Messieurs, donc monsieur Toretto, Dom, ainsi que monsieur Will Zuma, je suis. C'est mon prénom. Ouais. Je suis honoré de votre. Grâce à vos états de service, de votre montée en grade en tant que brigadier. Félicitations. Mais non. Oh là 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 là. Merci. C'est trop bien, là. C'est... Alors, je vais vous demander un par un de venir à côté de moi, s'il vous plaît. Monsieur Will. Je vous en prie, Dawn, vous allez, monsieur Will. Ah, ok, d'accord. Bon, ouais. Monsieur Will. Alors, attendez, non. Hop, si je peux trouver comment on donc, fait comment ça. Comment on fait le salut comme vous faites là, Alors, votre muscle T, slash E, plus loin, saluté. S-A-L-U-T-E. Monsieur Will, continuez comme ça. Bravo à vous. Merci beaucoup, j'ai pas réussi. Monsieur Toretto. Excusez-moi, allez-y. Oula, attendez. C'est là. Hop. Ah,
Avec vos très bons états de service, monsieur Toretto, j'ai l'honneur de vous remettre votre plaque de brigadier. Merci, chef. Félicitations à vous. Merci. Donc, bien sûr, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez devenir au PJ. Il faudra que je vous fasse passer la formation. D'accord, pas de souci. D'accord, monsieur Will. Oui, bien pris, bien pris. Oh là, lui me fait rire. Il y a une tête, franchement. Y a-t-il un problème? Je vous jure, on dirait Scooby-Doo. Vous voulez que je vous fasse ma tête de diable? On dirait Scooby-Doo. Vas-y, fais ta tête de diable. Attention. Yeah. Oh non, c'est pas possible. Oh non, il faut le réanimer, attention, je vais l'appeler du secours. Oh putain, je peux plus. Oh non. Oh, non. Oh putain, je peux attendez, plus. Je vais faire du. Ah non, je vais non, faire non. Du, des secours, j'ai mes secours si vous voulez. Hein. Vous avez vos secours ou votre diplôme de secouriste? Les secours, vous pouvez tomber vite fait là? Non, 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 c'est bon. Refaites le mime que vous avez fait, c'est vraiment stylé. Je vais vous aider. Oula, ça passe sous le bureau là à ce moment là. Ouais, je pense. Vous m'avez dit que j'étais votre secrétaire. Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié. Bon, allez, on retourne en patrouille. Félicitations. Merci beaucoup. Merci, chef. Excusez-moi, j'ai Alexa qui vient de me parler dans mon oreillette en me disant bonne nuit, fête de bord. Ah bah. Mon dieu, ça m'a fait peur. Allez, patrouille. Putain. Commissaire 87, reprise de patrouille. 39, reprise de patrouille. 14, reprise de patrouille. Putain. Mon dieu, mon dieu. Commissaire, c'est quand qu'on passe la formation? Ah, je vous la fais pas passer ce soir, peut-être demain ou samedi. Samedi après-midi, je suis pas là. Eh ben samedi soir. Oui. Parce que je suis là que vendredi après-midi et demain soir après. Reçu. J'ai vite fait au pipiro mais je repars en patrouille. C'est bien pris. Je cherchais une bouteille vitée dans ma tête, j'arrive. Bouteille dans votre tête, c'est quoi? Ouais, ouais. J'ai le dé défoncé, excusez-moi. Reprise de patrouille. Ok, moi aussi c'est parti. Ok, je contrôle un véhicule UTV. Auguste. Oui. Tu cherches le bâton pour te faire battre? Excuse-moi, là c'est un peu compliqué, j'avoue. Tu te gares sur un trottoir, il y a un parking juste en face. Oui, je sais, c'est un peu la merde là en ce moment. D'accord. Je suis à deux doigts de péter un câble. Comment ça se fait? Tu veux m'en parler? Je suis psychologue aussi. Hein. Tu vois, c'est lui le Marco, mon ami qui était en veste rouge. Ouais. Je lui ai acheté sa moto, j'ai aidé machin. Mm-hmm. Je lui ai dit que.
tu roules doucement. Certes, elle est bien, elle est jolie. On va se mettre sur le trottoir. Au lieu de ta voiture, ce sera nous. Oui. Je lui dis, tu te calmes, tu vas tranquillement avec. Hein. Il démarre, premier truc, ce con à fond. Il se prend le mur. D'accord. Et pourquoi on n'est pas prévenu nous à ce moment-là pour un accident routier? Parce que j'ai pas pensé, j'ai appelé le SAMU direct et puis le point S a été appelé après par l'autre qui était à côté. D'accord. Et il me semblait que vous étiez encore avec les braquages, non? Non, on a fait une descente niveau armes illégales, blanchiment. Ouais, on a appris plusieurs trucs. Dans deux secondes, ok. D'accord. Ouais. Parce que moi, il me semblait Nenny me parlait encore que vous étiez en. Tout à l'heure en internet, il me disait que vous étiez encore sur les braquages, enfin que vous recherchiez. Ouais, ouais, en gros. En gros, la marque grid fricote avec. Comment il s'appelle Monsieur Akan, Wiz. D'accord. Donc voilà. C'est normal qu'elle se barre avec ta voiture? Oh, oui, non, mais je vais péter un câble là. Je savais pas que c'était ta femme par contre. Non, c'est pas non. Bah, c'est qui alors? C'est une. C'est une pute? Non. Bon. Oh, tu m'as fait peur. Non. Oui. Une amie que je connais très bien qui est la nouvelle patronne du Pearl. C'est qui va s'occuper de tes commandes pour le commissariat. Ça tombe bien parce qu'on est à sec. Quand je dis à sec, on est vraiment sec. Bonjour madame. Kayla. Bonjour monsieur. Attendez que je sors de la voiture. Oui. Qui n'est pas à vous d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Kayla. Du coup, je te présente le commissaire John, que je connais très bien. Et c'est lui qui avait commandé qui a fait la première commande. D'accord. Okay. Eux ils sont à sec. Et on est très à sec en fait. On n'a plus rien dans le coffre. Donc vous auriez besoin de combien de menus? Je vous ai passé la commande sur l'intranet. D'accord. Ok, très bien. Voilà. Je tâcherai au plus vite. Tu vas essayer de le faire au plus vite parce que je les connais. Après ils vont être en rogne. Oh, tout de suite. Merci à vous madame. Et toi te gare plus sur le trottoir. Parce que là c'était un de mes hommes qui voulait te mettre une amende. Si tu veux en fait, j'ai quitté, deux jours, j'ai pas pris mon service. Oui. Pour gérer une même logistique que d'une gendarmerie, mais en plus complexe et en plus bordélique. D'accord. Et en faisant le taxi. D'accord, et en te garant sur les trottoirs, t'as raison, c'est pratique. Oui, voilà, t'as quoi dire pour ta défense? J'ai rien à dire. Hein. Allez, je te souhaite bon courage, madame. Merci. À bientôt. Et bon courage. 87 reprises de patrouille. Bien fait. 39 de retour. Bien fait. Je peux prendre la 308. Il y a combien de. Non, il y a qu'une. Qu'une sérigraphie, malheureusement. Donc, si ça te dérange pas, prends une sérigraphie. Ou prends le 4x4 comme tu veux. Ah ouais, le 4x4, tiens. Désolé. Hein. T'as pas de soucis, commissaire. Et si on se met à deux dans la même voiture, ça compte? Qu'est-ce que vous voulez faire à deux dans la même voiture? Non mais je veux dire, s'il prend la voiture qu'il voulait prendre et que on se met à deux dedans, c'est bon? Négatif, il faut qu'il y ait un minimum de sérigraphie en ville. Normalement c'est minimum 3 sérigraphies en ville pour que la bague puisse être déclenchée. D'accord. Et mon véhicule c'est pas un véhicule bague pour les petits malins qui diraient. C'est mon véhicule de fonction en tant que commissaire. De patrouille. 87 pour toutes les unités du coup, l'homme est toujours dans le quartier. Nicolas est toujours dans le quartier, c'est ça? Si vous voulez, je vais vous faire passer un test de dépistage d'alcoolémie, moi. Non, ça y est. Vous avez des choses à vous reprocher? Non, ouais, j'ai trop bu d'eau là. De l'eau ou autre? Uniquement de l'eau. La pitelle.
Je le ferai volontiers, je me fais chier à l'hôpital. Du point d'extraction de mon monnaie. Hein. Oula, oula, non, non, pas mon clavier, non, 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 non. Qu'est-ce qui se passe, commissaire? Putain, quel con. Quelle est votre position, le commissaire? Oh putain, mais non, mais non, mais non, mais non. Mais c'est pas possible, pourquoi? Pourquoi toujours? Pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi toujours un pont? Pourquoi? C'est bon, on arrive. Appelez les pompiers! Oh non, c'est le pont! Oh non! En bas. Vous avez dit quoi? Je vais voir. Vous m'entendez? Monsieur le commissaire? Ouais, on peut pas trop là. T'as appelé les pompiers? Affirmatif. Okay, bien prêt. Monsieur Madgaret, si vous m'entendez, les pompiers arrivent. J'attends vers vous. Je reste proche de commissaire. J'attends là pour les pompiers. Ok, merci. Vous dites aux pompiers de descendre vers mon véhicule. Si vous m'entendez, monsieur le commissaire, tapez 1. Si vous m'entendez plus, tapez 2. Du coup, vous avez fait 1, je suppose. Tapez-vous la tête contre le volant si vous m'entendez. Ah, zabé. On peut retirer quelqu'un d'une voiture ou pas? Les pompiers arrivent. Ok, bien pris. Parce que là, je crois que ça devient un peu plus urgent que possible. Bon, on n'est pas loin de chez eux, donc bah là, ils sont là, là. Ok, d'accord. Tenez bon, monsieur Madgaret, tenez bon. Les pompiers arrivent, même si ça commence à être critique. Tenez bon. Ça va les commissaires, les pompiers sont là. Tout va bien se passer. Vous m'entendez? L'heure de se dépêcher, là, le commissaire ne respire plus. J'ai aucun signe de vie. Là, il y a le commissaire qui respire plus.
Oula. Bonjour monsieur. Ah putain. Comment on va faire pour sortir de là? Non. On va pas essayer de défoncer la porte ou vous avez pas votre pain, une pince à découper, une connerie comme ça, non? Je vais essayer de faire un truc. Découpe la porte, il va pas aimer, je crois. Mais on va essayer. Hein. Bah, si on n'a pas le choix pour le sortir de là, je vous laisse faire. Hein. Il est parti chercher le camion, il fait le tour. Reçu, reçu. Je sais pas du tout. Et il s'est passé. Doucement, t'es là, c'est bon. Oui, c'est bon, tu peux revenir. Ok. J'étais en train de chercher un endroit où vous pouvez se mettre, mais j'ai pas trouvé. Commissaire, vous m'entendez? Commissaire? Ok, je suis parti là-bas. Et il a répondu. Il aurait dû me laisser y aller, lui, il aurait dû s'occuper du commissaire. Non, je vais aller le voir. Vas-y. Commissaire, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous allez réussir à reprendre votre souffle? Sortir de là, monsieur. On en a besoin de notre commissaire. Vous êtes sûr qu'il y a la formation pour ça? C'est fait pour. Ah, d'accord. Okay. Ouais, par contre, faut juste que j'arrive à trouver la truc pour le filer. Non, on paraît que la lance. C'est pas la bonne porte ça. Ah, je sais, j'ai pas remarqué. Ah, ça y est. C'est bon. Attends. Ah, ça y est. Monsieur le commissaire, vous entendez? Vas-y, essaye de le... Ouais, mais il va falloir que je prenne le brancard, que je le fasse... C'est bizarre qu'il réponde pas. Hein. Monsieur le commissaire. Monsieur, est-ce que vous nous attendez, c'est les pompiers? Après il va falloir qu'on remonte. Oui mais je peux pas monter par là. Est-ce que t'arrives à le choper pour le sortir de la voiture? Faut que j'ai fait, ouais. Sinon on va voir chercher le brancard, on le fait glisser tout. Du coup moi ce que je vais faire c'est que je vais aller directement à la voiture. Ah ouais. Je vais directement. Tu me diras si on peut passer par là. Si on passait par où? T'arrives à prendre le brancard ou pas? De l'autre côté. Ah merde. Ah au pire on va dire viens, je vais sortir le brancard, t'inquiète. Si on peut passer par où on est descendu. Il est complètement crispé. Il est complètement crispé sur son volant. Oh merde. Monsieur. Non, je suis petit, hein.
peut essayer de faire quelque chose pour allez, vous. Allez, on est fort, monsieur. Bah, on n'arrive pas à le sortir de la voiture, il faut qu'on arrive à le sortir, quoi. Ah merde, ouais, bah ouais. Mais en plus, il respire plus, donc. Chaque minute compte. Eh, je sais bien, mais là, ça va être dur. On a quand même un petit problème avec le brancard, en fait. Ouais, mais ça, c'est pareil, faut le sortir du véhicule. Ah bah. Je te laisse faire un massage cardiaque, vas-y. Monsieur. Monsieur, est-ce que vous nous entendez? On est en train de récupérer, vas-y, continue. J'ai trouvé un passage, mais il faut traverser le les égouts. Donc, est-ce que je te ramène ton véhicule peut-être? Continue, vas-y, il faut souffler. Je te ramène ton véhicule et je retourne dans le mien après. Moi, je souffle et toi tu. Le massage. Bah, t'as rien soufflé là. Et j'ai un gros souffle. Ah, c'est bon, le récupère. Monsieur, vous nous entendez? Serrez-nous la main. Une des yeux. Serrez-nous la main, on est là pour vous. N'hésitez pas. Hein. Ouais, c'est bon, on la récupère. Je... Faut qu'on l'amène en urgence à l'hôpital. Ouais. Je le prends ou je le prends? Vas-y, on va le prendre à deux. Hein. Ouais. Allez. Oh. Is. Il fait son poids quand même, monsieur. C'est des burgers, ça. Allez, monsieur. Ça se passe comment? Allez, on y va lentement. Allez, monsieur, allez. Ok, je vais pas pouvoir. Tu te mets dans le camion. Je pense que je vais essayer de récupérer avec ton véhicule. Allez, vas-y. Allez, monsieur, allez. Vous inquiétez pas, monsieur. Votre commandant ou capitaine, je sais pas comment. Prends ton poste de conduite. Oui. Ne vous inquiétez pas, monsieur, ça va, on va l'emmener. D'accord, ça marche. Ah, nickel. Là, ils sont en train de l'emmener, là. Ouais, t'as dit. Ok, bah, je vais venir te récupérer. Merci. Je pourrais pas passer plus loin parce que tu peux venir. T'es au niveau de où? Je te vois. Je passe pas. Les pompiers, ils passent juste à côté. Ouais, en face, vas-y, tout ce qu'on part choc quand même. On vous amène un blessé et respiratoire, il respirait plus, on vous l'amène là, la réanimer. On arrive sur l'hôpital. Ah, par contre, j'ai pas de... Ok, pas de soucis. On le laisse au médecin de garde du coup. Le médecin, il est en intervention, il va arriver. Faut le laisser au médecin de garde pour l'instant. Ouais, c'est bon. C'est pas problème. Par contre, après, là, pour qu'on dépose, il faut aller à l'autre intervention, qu'on a vu. Ah, gauche. Je sais pas du tout ce que c'est. Il dit besoin de nous, mais... Ça marque un temps de virer, mais... Ah, il y a Samu qui est parti dessus. Il y a Samu qui est parti dessus, ok. Monsieur, on est arrivé à l'hôpital, vous inquiétez pas.
monsieur, on va vous aider à sortir. Voilà. Venez. Venez avec nous. On va le mettre sur Ali. Allez-y, monsieur, respirez lentement. On est là pour toi. Ah, mais la chambre 2. Ouais, vas-y, venez avec nous, monsieur, allez-y. Allongez-vous là, monsieur, et le Samy va venir vers vous. Ouf. Je vais aller à l'accueil, je vais parler. Je sais pas si ça marche. Comment vous sentez, monsieur? Vous sentez un peu mieux ou... J'ai mal. Dites-moi, vous avez mal, je vais essayer de voir. Aux jambes. Aux jambes et à la tête. D'accord. Vous avez mal, autre part, quelque part d'autre? Je sens plus mes bras. Vous sentez plus vos bras, d'accord. Branche-le, voilà, on va le brancher à la machine direct. Ouais, il sent plus ses jambes, il s'ébrouille, il a mal la tête. C'est ça, monsieur, elle m'a pas trompé. Ça, on va le brancher directement, comme ça, avec un masque. Comme ça, il peut respirer tranquille. Voilà, ça va l'aider. Oxygène pur. Je recontacte le médecin. Ne vous inquiétez pas, monsieur, le Samy va être là, on va s'occuper de vous. Monsieur? Monsieur, vous êtes là? Monsieur? Collègue? Collègue, on a un gros problème. La personne ne répond plus et ne respire plus, je n'entends plus respirer. Monsieur. Ouh, monsieur. Comment c'est possible, on l'a mis sur respirateur. Vas-y, on fait un massage cardiaque. Oui. Il fait quoi, Samuel, sinon? Ils arrivent. Il est dans l'intervention. C'est essoufflé ou... Attends, ouais, je monte de l'autre côté. Vas-y. Vas-y, masse. Oui, c'est ce que je fais. Ah, c'est bon, il respire. Oui, reviens. Tu dis pas, je fais ça, mais on va le perdre. Ah, il doit... Reste avec nous, monsieur. Surtout, reste avec nous. On est là. Excusez-moi. À mon avis, là, j'ai demandé au Samy où ils en sont. Il a dû prendre un coup sur les poumons, c'est pas possible. Il a l'air d'avoir les côtes compressées, non? Du vide pour faire, s'il vous plaît. Là on est en train de faire de la personne, donc je sais pas où vous en êtes. D'accord, affirmatif. Respirez, tout doucement, tranquille. Vous inquiétez pas monsieur, le Samu il arrive. Il ou elle va s'occuper de vous. Respirez tranquille, lentement. Ah si, franchement c'est très... machin opérateur derrière, il fonctionne bien, pourtant je comprends pas, c'est vrai qu'il a une fonction un respirateur bon, mais... Allez, madame. Qu'est-ce qui s'est passé? John,
Aucune idée. Il sent plus ses jambes, il sent plus ses bras et la main à la tête, et là, ça fait deux fois qu'il... fait un arrêt cardio-respiratoire. D'accord, je vais m'occuper de lui. Voilà. Allez, vous êtes en bonne main, monsieur. Courage. Oui. Allez-y, si vous voulez, je vous le mets là. Au revoir. Au revoir. Au revoir, madame. Ça va aller, John. Putain de Dieu. Je vais mettre. Ils m'ont même pas dit si t'avais mis sous le respirateur ou pas. Super. Bon, bah, je vais te mettre au pire. On va dire que je te mets moi. Respirer. Voilà. Doucement, doucement, doucement. 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 Comme des grands. Voilà, très bien. Voilà. Ouais, ça va aller. Ah, putain, putain. Allez, John. Voilà. Très bien. J'appuie la respiration. Est-ce que t'arrives à parler, John? Est-ce que tu sens tes jambes? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Est-ce que je prends le risque de transporter jusqu'à la machine? J'ai peur que... Hein. Merde. Est-ce que t'arrives? Putain. Je cherche le brancard. Putain, je te... Je vois qu'il y a des plaies ouvertes, je vais déjà te soigner pendant que tu reprends un peu des forces. Je vais te soigner les plaies. Je vais te déchirer tes affaires. Je suis désolée, mais là, urgence, je m'en fous, je déchire tout. Hein. Voilà. 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 Je vais te soigner déjà les plaies importantes qui saignent. Tu t'es pas loupé quoi. 69 prise de service. Reçu, nous sommes à l'hôpital. Le commissaire a eu un grave accident. J'arrive. Reçu. Voilà. J'arrive le sang. Ouais, ça va aller, John, ça va aller. Respire doucement. Hein, respire doucement. Ça va aller. Ça va aller. Là, déjà. Voilà. J'ai arrêté. Je vais te transporter. On va lui faire aller tout doucement. Je vais te mettre sur le brancard. Voilà. Je vais passer des radios pour voir pour tes jambes quand même, parce que ça m'inquiète. Sur le scanner. Voilà. Voilà.
machine. Effectivement, tu m'étonnes que tu sens plus tes jambes, t'as des os fracturés et tout, t'as même. T'es pas loupé quoi. Je vais mourir. Non, t'as pas intérêt à mourir. Sinon, je vais te chercher par la peau du cul dans les airs. Okay. Donc, t'as pas intérêt à mourir. Mettre sur le brancard, je vais t'opérer pour les jambes. Voilà, je vais te mettre sur le brancard à nouveau. Comment il va le monsieur? Bah, il est bien fracturé et tout. Les jambes sont fracturées. D'accord. Et voilà, c'est pas sûr pour l'instant, c'est pas encore ça quoi. Et vous pensez qu'il va permettre ou. Bah, il a intérêt, sinon je lui dis que s'il meurt, je viens le chercher dans le ciel et il le cherche par le pot du coup. Ah, d'accord, oui, comme ça. Bah, oui, c'est un ami, je pense, un de mes amis. Ah bon, alors si c'est un ami, ouais, bah. Bah oui, c'est un ami. Parce que du coup, il y a leurs collègues qui s'inquiètent un peu et nous, on essaie de les rassurer comme on peut. D'accord. Non, en tout cas, pour l'instant, ça va, il respire à nouveau, mais c'est encore dur comme contre. C'est encore dur pour lui aussi, oui. D'accord. Ouais. D'accord. Est-ce que vous m'entendez, monsieur? Si vous m'entendez, dites-moi oui ou. Oui. D'accord. Est-ce que vous voulez qu'un de vos collègues vienne vous voir? Pas pour l'instant. Non mais après, quand vous m'avez donné le signal. D'accord. Oui, après pour venir, mais un par un pour pas trop le fatiguer. Non, je prendrai le plus haut gradé et puis. D'accord, ça marche. Voilà. Allez monsieur, nous on va vous laisser. Bon ravitaillement parmi nous. Pour revenir en forme. Et surtout prenez soin de vous. Merci beaucoup. De rien, merci. Maria, du coup, à plus. Désinfecte la zone plutôt. Qui est bien cassé. Je viens te remettre.
Tu me dis si tu sens quelque chose, hein, John. Non, je sais pas. Hop, je fais l'autre jambe. J'ouvre aussi. Je désinfecte. Je vois. Mais là, celui-là, t'avais l'os qui était à moitié sorti, qui était bien sorti, qu'on voyait bien, l'os sorti même du pourquoi. C'est pas très beau à voir. Et je referme. Voilà, je désinfecte la zone et un deuxième pansement. Voilà, tout beau, tout neuf. La veille est remise en reine, comme on dit. Et pas trop, et pas trop. Je vais te remettre sur le brancard et je vais t'emmener en salle de réveil. Voilà.
Est-ce que t'as froid? Est-ce que t'es bien là? Non, ça va aller. Non, je vais chercher tes collègues s'ils veulent venir te voir. Pas le plus gradé. J'arrive. Ça va, commissaire? Tom. Ça va, ça va. Vous savez ce qui s'est passé? Ma voiture ne répondait plus. Reçu. Il y a 69 qui vous dit bon établissement, elle passera vous voir plus tard. Merci. À lui aussi. Il a dit merci à vous aussi. Tom. Oui. On a saboté ma voiture. Vous croyez? Plus rien ne répondait. Ni les freins. Ni le volant. Allez doucement, commissaire. Vous auriez une idée de qui aurait pu faire ça? Attendez, je préviens les hommes. Ouais, qu'ils envoient la voiture au mécano pour confirmer. Pas doucement, je ne pourrais espérer. Apparemment, la voiture du commissaire. C'était la Renault Talisman, il faudrait aller la rechercher dans notre garage là. Bah pourquoi aller la rechercher dans le garage? Ça va aller, John, tu vas te reposer, bien te recalquer et puis... T'es contacté quand le... Plus précis, rapide. Même t'aider en mettant une petite perf de vitamine et tout. Il y a 69 qui va s'occuper de la voiture. D'accord. Bon, là, je te mets la petite perf de vitamine et tout, quelqu'un qui aussi. Merci. Voilà. Je pense que je vais aller faire dodo. Ça serait peut-être mieux. Ouais. Il sera sauvé toute la nuit, il y a toujours du monde, il y a toujours des internes, il y a toujours des infirmiers de nuit aussi. Ok, il n'y a pas de soucis. Donc il sera toujours sauvé en tout cas. D'accord, il n'y a pas de soucis. Ah, écoutez, vas-y, je te donne l'autorisation. Je vous souhaite bon rétablissement et je passerai vous voir demain, commissaire. Merci beaucoup. Demain, reposez-vous bien, commissaire. À demain. À demain, Maria. À demain. À demain. À demain. À demain, Maria. À demain, John. Ne vous inquiétez pas. Les aventures de
John Van Garrett ne sont pas prêts de se terminer. Demain, les amis. There's no comfort in the truth. Never without your love.